Cuisiner avec moi les beignets africains, super beaux et très très bons dans la bouche. Reste jusqu'à la fin. Pour commencer, on va d'abord lever la levure. J'utilise la levure boulangère. J'ai pris des sachets. Je vais mettre un peu d'eau tiède et je vais couvrir pendant 10 minutes. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. Je mets la levure de côté. On va maintenant préparer la farine. Donc, j'ai utilisé cette farine que j'ai pris chez Lidl, mais tu utilises n'importe quelle farine. Je prends 1 kg de farine. Il y en a des farines fermentées, là, c'est encore l'idéal si tu arrives à en trouver, ou des levures instantanées aussi, c'est bien quand tu es pressé. J'ajoute 300 g de sucre, mais les sucres, tu peux ajouter, diminuer, tout dépend comment tu apprécies les sucres. Voilà, après je vais ajouter du sel, une pincée de sel, et après on va tout mélanger. Donc on utilise d'abord tous les éléments qui sont secs en poudre, si je peux dire comme ça. J'avais oublié les sucres vanillés, on l'ajoute. On va tout mélanger et après on fera un petit puits à l'intérieur où on viendra ajouter de l'eau. Voilà, donc on utilise de l'eau tiède. J'ai utilisé à peu près 850 millilitres d'eau, à peu près. Après, il faut voir si c'est pas beaucoup, tu ajoutes ou tu diminues en fonction. C'est pourquoi moi, j'aimais de l'eau progressivement. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper. Toutes les farines ne réagissent pas de la même manière. Après, il y en a où on te dit c'est 1 kg et c'est pas 1 kg. Donc, pour éviter des surprises, tu y vas progressivement. Et au moins, tu es sûr de faire une belle pâte à baigner. Sans oublier qu'on a mis de l'eau dans la levure. Donc, on y va mollo mollo. Là, je viens ajouter un peu d'huile. L'huile, en tout cas, ça adoucit la pâte. Moi, je les mets toujours. Il y en a qui ne les mettent pas. Bon, je ne sais pas. Et moi, je les mets toujours. Ça adoucit la pâte et ça permet de bien les travailler. Et là, avant de bien commencer à travailler notre pâte, on va ajouter la levure. Voilà, donc on a mis des côtés à bien lever. On a un peu de chance, il y a du soleil en ce moment. En tout cas, il fait très très beau en ce moment, donc on en profite. J'aime pas trop faire les beignets en hiver, c'est catastrophique. Voilà, donc on va commencer à travailler notre pâte. Il faut prendre son temps. Là, c'est une vidéo, donc j'ai filmé rapidement, mais il faut vraiment prendre son temps de bien travailler la pâte. C'est ce qui donnera les bons beignets. Et là, je vais les laisser reposer 2 à 3 heures du temps. Ça dépend de la température qu'on a à la maison. Voilà, et une fois que c'est bien levé, tu peux faire tes beignets. Voilà, regarde comment ça a bien gonflé. Moi, ça m'a pris à peu près 2 heures. Et là, je viens mettre ma casserole à chauffer. Une fois que l'huile est chaude, je viens tremper mes mains dans l'eau. Je prends un peu de pâte et on va tester si l'huile est prête. Et n'oubliez pas de laver les mains bien avant, bien sûr. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Comme je le disais, tu trempes tes doigts dans l'eau. Et puis tu viens travailler la pâte au bord de la bassine. Il faut juste bien regarder les gestes que j'ai faits. En tout cas, je ne sais pas comment trop l'expliquer avec des mots. Et les 5-6 premiers beignets, tu les mets en dehors du feu. Comme ça va permettre aux beignets de prendre le temps de bien cuire. Sinon, ça risque de cuire à l'extérieur, à l'intérieur, c'est tout cru. Une fois que tu as tout mis, alors tu viens tourner de temps en temps pour que ça soit coloré de la même manière partout. Et après, dès que tu auras obtenu la bonne coloration, tu peux les sortir. Vraiment, regarde-moi comme c'est bien coloré. Je les mets sur du papier absorbant. Et après, on va refaire la même chose. C'est très très simple,
mais c'est super bon dans la bouche. En tout cas, je t'invite à essayer. On peut les manger avec du thé, de la bouillie, tout seul comme ça, avec du poulet aussi. C'est très très bon avec les mapapou. Oh là là, ça j'ai découvert ici en Europe, c'est super bon. Chaque pays a sa manière de l'appeler. Bon, chez nous, on l'appelle mikate. Bon, après, je ne sais pas dans ton pays comment vous l'appelez. Vraiment, c'est super bon. C'est très, très bon. Les enfants aiment bien ça et même les adultes. Voilà, n'hésite pas à reproduire pour toi, pour tes enfants, pour tes invités. Ça leur fera du bien. C'est très, très bon dans la bouche. Là, on va faire une dernière fois pour que tu puisses voir comment bien faire la forme. Après, c'est très très simple. Il y a plusieurs manières de les faire. Chacun fait ce qui est facile pour lui. Donc, il faut toujours essayer, essayer. Moi, il a fallu plusieurs fois pour que j'apprenne à les faire. Donc, n'hésitez pas à recommencer. Regarde seulement la coloration, comment c'est bien coloré. Très très beau. Je te mets une recette des ailes de poulet que tu peux manger avec. N'hésite pas à prendre soin de toi et de tes pensées. Waouh, c'est super beau. À la prochaine.